On a les principautés, les dominations à combattre. Ils se sont aussi rassemblés pour nous combattre dans la prière. On va prier, on va demander la grâce à Dieu pour nous réveiller dans le jeûne et la prière. La prière, ce n'est pas seulement 20 minutes maintenant, là, et puis tu dis que ça va. Non, tu dois entrer dans le jeûne, dans la prière, dans le brisement, dans la crucifixion. Jésus a jeûné pendant 40 jours et il a dit que j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. La nourriture, là, c'était la parole de Dieu, donc fait la volonté de son Père qui est dans le ciel. Si tu ne jeûnes pas, tu ne peux pas manger la parole de Dieu. Tu ne peux pas être sainte ou saint. Tu ne peux pas être sanctifié. Tu ne peux pas être fort. Ta nourriture, c'est la parole de Dieu. On va prier. Le Seigneur nous a enlevés dans le monde pour nous amener dans la réalité qui est dans les cieux. Et désormais, notre principale nourriture, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu parle maintenant. Amen. On va prier pour que le Seigneur nous donne la manne du ciel, le pain vivant descendu du ciel, qui donne la force dans la prière, dans le jeûne, pour faire la volonté de Dieu. On va prier notre Père qui est dans le ciel. Seigneur, nous venons devant toi en ce moment, Père, pour te demander la grâce, Seigneur Jésus-Christ, vivante, la grâce de Dieu, notre Père, pour ne pas être distrait, Seigneur Jésus, avec ce que les yeux regardent, avec les choses du monde, notre Dieu, notre roi, notre gloire, Seigneur Jésus, nous t'en supplions. L'esprit de jeûne, l'esprit de force, le pain vivant qui descend du ciel, la vie de Dieu, la vie de Jésus, la vie qui est dans le sang de l'Alliance éternelle, la vie qui est dans l'Esprit Saint. Mon Père, le Tout-Puissant, nous sommes morts dans le monde, nous sommes morts dans la vie du monde. Mon Père, le Tout-Puissant, on ne tire plus notre force de la nourriture physique, mais on tire notre force de la nourriture spirituelle. Mon Père, le Tout-Puissant, roi de gloire, tu es un feu dévorant. Tu es venu consumer la chair avec ses passions, avec ses désirs. Dieu, si je t'en supplie, mon Père, libère-moi, Jésus-Christ, roi de gloire, de la lourdeur. Jésus-Christ, que la chair donne. Jésus, je dois vivre au désert, dans le jeûne, dans le brisement. Mon Père, en ton nom, tu as gêné 40 jours par la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ, tu n'as pas changé. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance. C'est par le Saint-Esprit, mon Père éternel, que la chair est crucifiée, Seigneur, avec ses passions, avec ses désirs. Heureux le pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent autant convenable pour soutenir leurs forces. Seigneur Tout-Puissant, nous vivons par le Saint-Esprit, nous mangeons la parole de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, pour être fort dans notre homme spirituel, le jeûne et la prière, le jeûne et la prière, dans le but de crucifier la chair, ses passions et ses désirs, dans le but de voir l'intérêt de Dieu, d'aimer Jésus plus que toute chose, dans le but d'être transporté dans le royaume de Dieu, dans la réalité, mon Père, des choses imperceptibles à l'œil de Jésus-Christ, notre Père Tout-Puissant, nous ne sommes plus du monde, je suis pas le jeûne, tu vas crucifier nos sens, Père éternel, pour que nous soyons éveillés dans ton royaume. Nous demandons la force, l'esprit de force, mon Père Tout-Puissant, l'esprit de jeûne, de prière, l'esprit d'autorité, l'esprit de délivrance, l'esprit de sainteté, l'esprit de liberté. Je suis mon Père, aie pitié de moi, mon Père, je prie pour prier, prie ma soeur, prie pour prier, même demande la grâce à Dieu pour prier, pour ne pas être distrait. Il y a des personnes qui jeûnent, ils passent leur temps au téléphone, à répondre au téléphone, à parler avec les gens. Le jeûne, c'est la consécration, le temps là tu donnes à Jésus, tu ne parles pas, tu te consacres à l'Éternel, ton Dieu, dans la parole de Dieu, pour entrer en communion avec le Seigneur Tout-Puissant, pour que ta prière, pour que ta voix soit entendue au ciel, pour que le Seigneur te réponde, qui descende dans le feu, pour te répondre, alléluia, mon Père, descend dans le feu, descend dans le feu, Père éternel, je suis pour consumer, Jésus-Christ, mes adversaires, qui combattent la vie de sainteté, la vie de pureté, la force, la direction du Saint-Esprit, mon Père, dans ma vie, révèle-toi, c'est dans des prières, c'est dans des prières, merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant, merci Roi de gloire, merci Père éternel, c'est l'heure de prière, c'est l'heure d'intercéder, demander la grâce à Dieu, merci Seigneur Tout-Puissant, la victoire est en Christ, la puissance est en Christ, mon Père révèle ta gloire.
Révèle ta gloire. Révèle ta gloire. Révèle ta gloire. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les murs de Jéricho sont entamés. Les murs de Jéricho sont entamés. Quand les enfants d'Israël louaient Dieu, les murs de Jéricho sont entamés. Oh, les murs de Jéricho sont entamés. Oh, les murs de Jéricho sont entamés. Quand les enfants d'Israël louaient Dieu, les murs de Jéricho sont entamés. Oh, les murs de Jéricho sont entamés. Oh, les de Jéricho sont tombés quand les enfants de Saint-Esprit louaient Jésus. Les murs de Jéricho sont tombés. Mon père, prie ma soeur que les murs de Jéricho tombent. Oui, il y a une dimension dans le Seigneur que tu n'es pas, que tu n'as pas atteint. Oh, alléluia, le son de sa voix, la joie dans sa présence, la liberté du Saint-Esprit. Ma soeur, il y a le mur à l'intérieur. Si tu renverses le mur là, tu vas voir la gloire de Dieu si tu crois. En Jésus-Christ, tu vas voir la gloire de Dieu si tu crois en Jésus-Christ. Alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas sortir de la chair pour entrer dans l'Esprit de Dieu si tu crois en Jésus-Christ. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Mon père, je veux voir ta gloire. Oh, si tu crois en Jésus-Christ, celui qui n'a jamais péché, tu verras à la gloire de Dieu. Tu vas t'attacher à Jésus de tout ton cœur, si tu crois en Jésus-Christ. Oh, Alpha Omega, aie pitié de moi, tu verras la gloire de Dieu. Jésus, viens à mon aide. Seigneur puissant, donne-moi la victoire si tu crois en Jésus-Christ. Oh, tu verras à la gloire de Dieu. Tu vas vaincre le monde. Oh, si tu crois alléluia, en Jésus-Christ. Je vais vaincre le monde. Mon père, tu as vaincu le monde. La gloire de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ. Alpha, Omega, je crois en ton nom. Je verrai la gloire de Dieu. Si tu crois, ma soeur, si tu crois en Jésus-Christ, mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Oh, si tu crois en Jésus-Christ, tu verras à la gloire de Dieu. Tu vas prier pour vaincre le monde. Tu vas prier pour que le Seigneur te fasse entrer dans la réalité de l'Esprit de Dieu, pour que l'esprit de fatigue, de lourdeur, l'esprit de refroidissement de ta tête. Mon Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ. Je crois que Jésus a vaincu le monde. Je crois qu'il a vaincu les passions de la chair. Il a vaincu les principautés, les autorités, les dominations. Je crois que Jésus-Christ a vaincu l'orgueil de la vie. Qu'il a vaincu les convoitises de la chair. Que Jésus a vaincu le monde dans toute sa forme. Alléluia, Alpha Omega. Je crois que tu as vaincu le monde. Je crois que tu as vaincu le monde. Je crois, Jésus-Christ, que tu as vaincu le monde. Oh, alléluia, mon Père éternel et tout-puissant, je crois que tu as vaincu le monde. Jésus-Christ, que tu as vaincu la guerre, la convoitise, la gloire du monde. Jésus-Christ, Alpha et Omega, je crois en ton nom, mystère de Dieu, le sanctificateur de l'Église, celui qui enlève la nature adamique, la nature du péché. Seigneur tout-puissant, tu as vaincu la mort éternelle, tu as vaincu la mort. Jésus-Christ, déclare ton nom, ta force, ton royaume, ton sacerdoce, ton autorité, mystère de Dieu, tu es tout-puissant, nous te servons dans la victoire. Alléluia, alléluia, hey, 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 Sandé, Rigorema, oh, Sandé, Sandé, Rigorema.
Demande la grâce à Dieu. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Mon Père éternel, la corruption, le mensonge, tout est enfermé. Mon Père, le temps puissant, la vanité. Jésus-Christ, Alpha, le jeton de la tribu de David, déclare ton nom. Déclare ton nom. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Que ta prière devienne le feu. Le souffle de feu. Oh, alléluia. Jésus descend. Esprit de feu. 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 Esprit de prière. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous à marcher à les hôtels de l'Esprit Saint. Dans les hôtels de l'Esprit. Mon Père éternel. Au-dessus des principautés. Des dominations. Des autorités. Des esprits méchants qui combattent la prière. Mon Père éternel. Et tout puissant. Jésus qui combat la manifestation de l'Esprit de Dieu. Qui a la mission d'éteindre le feu de l'Esprit. Faut s'endorima. Osoto, Otono, Imahando, Ekene, Sekene, Kamahando, Esangare, Imadahamba, Osende, Ekenama, Omaho, Ete, Ike, Osande, Ema, Arande, Edemaho, Sendere, Okondo, Omahande, Mon Pananda Sande, Imahando, Mon Père éternel, agissez-le, agis Jésus, agis, tu as vaincu la mort, au-dessus des principautés, des forces, des son ambition spirituel, les forces de routine de mon autre main, Seigneur puissant, Jésus-Christ, déclare ton nom, déclare ta force, déclare ta puissance, déclare ton autorité, Seigneur tout puissant, entre dans ton règne, en commençant dans nos cœurs, dans nos vies, esprit de feu, de sang, mystère de Dieu, à toi soit la gloire, ressuscité le vivant, celui qui était mort et qui est devenu la vie, à toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci de tout cœur, mystère de Dieu. À toi soit la gloire. Tu veux les cœurs enflammés par l'amour, le feu de l'amour de Dieu. Les cœurs enflammés. Tu ne veux pas les cœurs refroidis. Seigneur puissant, roi de gloire, saisis ton épée flamboyant. Jésus-Christ, mystère de Dieu. Nous te donnons toute la gloire. On va donner toute la gloire. À Jésus, au chant et son grand nom, au chant et son grand nom, on va donner toute la gloire à Jésus et chant et son grand nom, alléluia, on va donner toute la gloire à Jésus, au chant et son grand nom. Au chapitre et son grand nom, je vais donner toute la gloire à Jésus. Au fait de mon âme, viens dans ma vie, Seigneur de gloire. Et je vais donner toute la gloire à Jésus. Au chapitre et son grand nom, au chapitre et son grand nom, je vais donner toute la gloire à Jésus. Et chante. Ah, t'es son grand nom, mon Père, on va donner toute la gloire au Seigneur Jésus. Oh, chantez, t'es son grand nom, oh, chantez, t'es son grand nom, je vais donner toute la gloire à Jésus. Et chante, ah, t'es son grand nom, on va prier, oh, toute la gloire de Jésus va prendre tout ton cœur, tout ton cœur. Toi, ton âme, toute ta force, oui, tout ton cœur, tout ton cœur, voilà le feu de l'esprit, voilà la prière, adoration, voilà les prières que Jésus veut écouter, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, à Jésus-Christ, tout ton cœur, ma soeur, c'est l'heure des prières, pour que Jésus prenne le contrôle de tout ton cœur, la fatigue, la lourdeur, la malédiction, c'est toujours parce que Satan est dans le cœur, il partage le même cœur avec Jésus, Jésus ne veut pas qu'il en soit pensé, chasse-le dans tout ton cœur à Jésus, c'est quoi l'idole qui est dans ton cœur, la vanité, il demeure, et puis Christ, il demeure aussi, Jésus ne veut pas les cœurs partagés, il a beaucoup entendu les murmures, donne-toi complètement à ton Dieu, de tout ton cœur, marche humblement avec ton Dieu, demande la grâce de feu, sinon tu vas te refroidir, ouais. C'est là où il y a le refroidissement. Quand tu n'as pas regardé la télé, tu n'es plus content ou content. Quand tu n'as pas eu telle chose, tu n'as pas de force pour prier. Ce n'est pas la force là. Donc Dieu parle. Dieu parle de la force qui est Christ lui-même. L'espérance de la gloire. Mon Père, le tout puissant mystère de Dieu. Nous t'en supplions que le feu de Dieu descende pour consommer toutes tes
convoitise, vanité de la chair, Jésus-Christ, le roi de gloire, tout sang, tout autre sang, qui est contre le sang de Jésus, tout autre esprit, qui est contre le Saint-Esprit, Jésus-Christ, tout autre vie, qui n'est pas la vie de Dieu, mon Père éternel, toute autre joie, qui n'est pas la joie de l'Esprit de Dieu, mystère éternel, révèle ta force, révèle ta force, révèle ta présence, nous te donnons toute la gloire. Nous te chantons, Jésus-Christ, notre espérance et notre gloire. Que toute la gloire, que toute la louange, que toute l'adoration te revienne au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pèlerin, un qui vagabonde, je suis pas un étranger, mon Père, réponds-moi par le feu du Saint-Esprit, mais je suis seul, que dans notre monde, oh Jésus va me prier et oh me doser. Je suis un pèlerin, mon Père, je vagabonde. Oh oui, je suis partout, mon Père, un étranger, donne-moi la victoire. Mais je suis seul, alléluia, que dans notre monde, oh Jésus va m'offrir pour me loger. Il est là-bas, à devoir à mon Père, oh qui m'attend pour me consoler, à l'autre bout de la lumière. Jésus va m'offrir ou me loger. Oh, je suis un pèlerin, alpha, méga, oui, je vagabonde. Oh, oui, je suis partout, Seigneur, un étranger, mon père, mais je suis sûr que dans l'autre monde, oh, Jésus va m'offrir ou me loger. J'irai là-bas, au revoir, à mon père, oh, qui m'attend, pour me consoler, à notre point de la lumière, Jésus va m'offrir, ou me doser. Je vais te donner un petit conseil, Quand tu vis là, ce que tu dois combattre, ce sont les sentiments qui sont contraires à Jésus-Christ. Amen. Tout sentiment là, quand l'heure de prière arrive, tu commences à sentir la lourdeur, c'est Satan. Il faut le repousser rapidement. Hein, tu vas voir quand la prière va venir, le sentiment là va te dominer. Tu vas aller prendre le téléphone pour parler, faire les trucs que tu es à l'aise. Ça, c'est la mort. Tu es mort dans tes péchés. Que personne ne te ment. Si tu ne peux pas être vivifié quand tu es dans la prière, là où le Saint-Esprit travaille, quelle autre vie tu vas avoir en dehors de la prière? Tu vois combien beaucoup de chrétiens sont morts et tant de vous sont morts, ils marchent là les yeux ouverts alors qu'ils sont morts depuis longtemps. Ils ne peuvent pas rester vivants dans la présence de l'Esprit de Dieu. Si dans la présence de l'Esprit de Dieu, tu es mort, comment se fera-t-il que tu vives encore quand tu es loin de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu? Voici là des prières, tu es lourd, tu es fatigué, tu es envoûté, tu es distrait, ta pensée est loin, tu es dans un autre monde, le pasteur prie, il est dans un autre monde, toi, tu es dans un autre monde, tu es enchaîné par tout genre de soucis, d'inquiétudes que tu as donné avec parce que tu n'as pas mis Jésus-Christ dans ton cœur, tu n'as pas fait de lui tes délices, tu ne t'es pas approché de lui. Voilà les sentiments que tu dois combattre. Tu dois voir que tu es désespéré, Satan te tient lié. Tu n'as pas soif de la présence de Dieu, tu n'as pas soif de la vie de Dieu, tu es lié. C'est pour ça que tu as soif de soif du monde. Tu es mort dans tes péchés. Toute personne qui n'a pas soif de la présence de Dieu est hors de la foi. C'est terminé pour lui. Jésus dit que j'en ai marre. Si tu es chaud, si tu veux être chaud, sois chaud. Si tu veux être froid, sois froid. Je ne veux pas des personnes qui sont tièdes. Si tu es tiède, tu vas te vomir. Jésus ne cherche pas les personnes qui sont tièdes. Tièdes, la tièdeur. Beaucoup de chrétiens, quand vous voyez un peu de dame, un peu de ils sont tièdes, finis. Mais le veille est terminé. Amen. Donc, de ta présence divin chef de ma foi,
Dans ma faiblesse immense, que paierai-je sans toi? Au chacun, le jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès de moi. Oui, je sois de ta présence, divin chef de ma foi. Oh, dans ma faiblesse immense, que paierai-je sans toi? Au chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès de moi. Ma soeur, mon frère, on va prier. Est-ce que tu as soif de la présence de Dieu? Est-ce que c'est le est-ce que c'est pour cette soif-là, c'est à la recherche de l'eau vive que tu jeûnes, que tu prêves pour entrer dans la présence de Dieu? Est-ce que tu sens la sécheresse spirituelle, hein, pour chercher de l'eau vive auprès du Seigneur ton Dieu? Est-ce que tu as pris les armes du combat? Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as prié pour que le Seigneur combatte le sentiment de lourdeur qui veut te faire être content, pour te distraire? Il veut t'empêcher. Le diable veut t'empêcher de prendre conscience qu'il te manque quelque chose. Tu es spirituellement mort et morte. Hein? Donc demande à Dieu. N'accepte pas les petits plaisirs de la chair là. Non, cherche la véritable soif spirituelle, la véritable nourriture spirituelle. Oui, c'est le Seigneur puissant qui peut te le donner. Donc va prier. Tu vas prier pour ta soif de la présence de Dieu. Dis Jésus-Christ, je n'ai plus soif. Mon Père éternel, on me donne de l'eau à boire, car celui qui a soif, si je n'ai pas soif, comment est-ce que tu vas me donner de l'eau à boire? Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à savoir, Jésus-Christ, que la véritable soif, mon Père, c'est de l'eau qui veut. Ce n'est pas les choses du monde. Je n'ai pas soif des choses du monde. Le diable me manque en me donnant la soif des choses du monde. Ce n'est pas ça, mon Père éternel. J'ai soif de l'eau spirituelle, de l'eau vive, de la, du pain vivant descendu du ciel. Mon Père tout-puissant, la soif éternelle. Seigneur tout-puissant, mystère de Dieu, roi de gloire, donne-moi la soif des choses d'en haut. Mon Père, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de communier avec toi, de marcher avec toi. Esprit du Dieu vivant, esprit du réveil, esprit de puissance, esprit de jeûne. Tout ce que tu touches prend vie. J'ai soif de toi, mon Père, tout puissant. J'ai soif de Jésus-Christ, le Père qui est vivant. Oh, alléluia, oh, alléluia. Jésus-Christ, tu es le Père vivant, le Père qui vit. Le pain qui donne la vie, mon Père éternel, alléluia, gloire à Dieu, dans les lieux très hauts, dans les lieux très hauts, très élevés, dans les lieux saints, Jésus-Christ est le pain vivant, le pain vivifiant, oh, celui qui te mange à la vie éternelle, mon Père de ton puissant, donne-moi le pain vivant, Seigneur, j'ai soif, j'ai faim de ton pain, le pain vivant de toi, Jésus-Christ, roi de gloire, et entends ma prière, Seigneur Jésus-Christ, réponds-moi, miséricordieux, demandez, vous laissez vrai, cherchez, vous trouverez, l'on donne à celui qui demande le pain vivant, la force éternelle, la force de dominer sur les démons, les princes du monde, les esprits de convoitise, d'orgueil de la vie, la gloire du monde, mon Père, tout puissant, le pain vivant, le pain vainqueur, Jésus-Christ qui donne la vie au monde, révèle ta force, oh, belle qui se dit, révèle ta force, souverain sacrificateur, révèle ta force, Seigneur Jésus-Christ, le pain éternel, Seigneur, à toi soit la gloire. Merci Seigneur, merci.
Merci, force éternelle. Merci, rédempteur puissant. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire. Merci, Jésus-Christ. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. C'est d'abord le royaume. Oh, 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 et la justice de Dieu. C'est d'abord le royaume. Oh, oh, mais de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, voilà ce que me dit chercher d'abord le royaume. Chercher le royaume, je ne veux pas dire que tu viens une minute, tu lis la Bible, après tu pars marcher dans le monde. Non, 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 non. Tu cherches le royaume 24 heures sur 24, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être entier. Cherche d'abord le royaume. Et la justice de Dieu, alléluia, alléluia, on cherche d'abord le royaume, gloire à Jésus-Christ, et le reste vous sera donné. Oh, alléluia, cherchez d'abord, Jésus parle du ciel, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et sa justice, et le reste vous sera donné. Oh, et le reste vous sera donné. Oh, cherchez d'abord le royaume, et la justice de Dieu. Alléluia. Cherche le royaume avec tout ton corps, toutes tes émotions, tout ton âme, toute ta pensée. Oh, alléluia. Tu te rassembles de toutes tes parts. C'est le tout puissant. Cherche d'abord le royaume. Donne le vivant. Pas de peine, quand c'est le bain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, je ne vivrai pas de peine, quand c'est le bain, alléluia. Oh, alléluia, tu ne vivras pas seulement de peine, chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Pas d'autre inquiétude, pas de chambre pour autre chose. Et le reste, de ce qu'on a donné, on va prier. La dernière requête de prière, c'est pour les orphelins. Voilà, c'est pour les orphelins. Amen, on va prier les orphelins spirituels, hein, qui n'ont pas de parents, ou les élever spirituellement, ils sont nombreux, nombreux, comme les grains de sable au bord de la mer. Les orphelins là, hein, c'est pas parce que vous voyez, vous en voyez d'autres qui prennent des voitures pour aller à l'école, ils sont tous orphelins, nus, pauvres, malheureux, éternellement, ils n'ont pas Jésus-Christ. Le monde les convoite parce que le monde ne connaît pas le bonheur éternel, le bonheur par excellence. Amen. Merci Seigneur. Le monde ne le connaît pas, mais nous connaissons le bonheur excellent. Nous connaissons la demeure éternelle de la gloire, là où les riches sont en or, dont ne convoitent pas le bonheur des parents qui donnent l'or périssable à leurs enfants. Mais nous prions Jésus-Christ que les yeux s'ouvrent d'en bas et intercéder. Ce sont tous les orphelins, car l'éternel voit de gloire. Seigneur, on prie pour les orphelins, mon Père, qui n'ont personne, pour leur montrer la foi de la vérité. Jésus-Christ, mystère de Dieu, ces enfants qui meurent, oh Père éternel, et qui n'ont pas la vie éternelle, mystère de Dieu, nous en supplions pour ces enfants, mon Père, fais-les connaître ta lumière. Jésus-Christ, regarde les orphelins des deux côtés, sur le plan spirituel, sur le plan physique. Nous nous tenons à la brèche comme ton église, des sentinelles vivantes et vivifiées par l'Esprit de Dieu, par le pain de vie. Seigneur puissant, nous prions par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de notre Père qui est en nous et qui est au ciel, qui est omniprésent, qui nous a mis au-dessus des principautés, des dominations, des forces, des ténèbres, de l'armée de Satan. Jésus, nous prions maintenant à partir du troisième ciel, là où nous sommes assis avec toi, montagne dans les lieux célébrés, assis avec toi, maintenant, au-dessus de la puissance éternelle des portes de l'enfer. Jésus-Christ, ton Église, est assis avec toi dans les lieux célébrés. Nous ordonnons, mon Père, nos forces éternelles dans tes mains. Jésus-Christ, dans tout pays, on a pied pour le nom. Seigneur des Seigneurs, Alpha, Omega, nous prenons
offrandes, là où tu nous envoies, Seigneur, Jésus-Christ, nous revendiquons le Canada, mon Père éternel, le Cameroun, la France, Seigneur puissant, le Gabon, mon Père éternel, le Nigeria, Seigneur puissant, maintenant, où le Pierre, Jésus-Christ, le Congo, mystère de Dieu, par l'autorité de celui qui règne, mon Père éternel, c'est toi, Jésus-Christ, le vivant, ton pouvoir, ta donnée dans le ciel et sur la terre, Jésus, nous sommes avec toi, au-dessus des machinations diaboliques, nous ne marchons pas par la terre, Jésus-Christ, nous combattons dans la victoire, à partir de la victoire, Jésus-Christ, vivant, assis avec toi, étant enlevé, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, mon Père, ton puissant, nous sommes avec toi présentement, dans les biens élevés, Jésus-Christ, te servant, dans la victoire, dans la sainteté, dans la purification, Jésus, que la gloire, que la donation, mon Père, ne revienne, car toi seul, Jésus-Christ, le mystère de Dieu pour les siècles éternels. Merci Seigneur, à toi soit toute la gloire, toute la gloire, toute la victoire, toute la puissance. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a agi en moi, oh, qui a agi en moi, ah, ah, qui a agi en moi, oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a agi en moi, oh, ah, mais, oh, ah, mais, oh, c'est la puissance du Saint-Esprit, oh, qui a agi en moi, oh, alléluia, qui a agi en moi, oh, le Saint-Esprit est vivant, c'est lui qui m'a convaincu du péché, de péché, oh, alléluia, c'est lui qui m'a appelé à la repentance par sa puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a agi en moi, oh, qui a agi en moi. Avec qui a agi en moi, oh, c'est la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia, oh, alléluia, celui qui me fait ne pas combattre le monde, qui rend le monde comme un grain de sable devant mes yeux, c'est la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia, j'étais lié dans mes péchés, dans l'adultère, le mensonge, la mort, j'enfonçais dans la mort, la puissance du Saint-Esprit, le vrai, le véritable, il m'a libéré de la boue, du péché, de la mort, oh, alléluia, il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a donné un nouveau cœur, il a fait témoin, un témoin vivant pour Jésus-Christ, oh, alléluia, il m'a donné un nouveau cœur, le Saint-Esprit est vivant, l'Esprit qui réveille l'Église, qui appelle à la repentance, l'Esprit qui anime les prophètes de Jésus-Christ, les envoyés, les pasteurs, les disciples de Jésus-Christ, l'Esprit vainqueur, l'Esprit du réveil, à toi soit la gloire, mon Père de ton puissant, c'est toi qui es le Dieu de l'enlèvement, Seigneur, qui nous a sanctifié, qui nous a mis à l'égard, nous sommes scellés par toi, pour Jésus-Christ, pour des siècles éternels, nous n'avons pas honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ, car tu nous as retirés complètement du monde, nous sommes les prémices, de l'avenir du Seigneur Jésus-Christ, que la gloire, que la gloire devienne pour des siècles éternels, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit en moi, merci Seigneur, merci Jésus-Christ, à toi soit la gloire, la gloire, l'adoration pour des siècles éternel, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 30 minutes de prière, rapidement par la grâce de Dieu. Donc, on va prendre, on va écouter le témoin de la sœur Sylvie, et rapidement, et puis on va passer dans la parole de Dieu. Oui, on va passer dans la parole de Dieu, on va écouter. Sylvie, tu veux témoigner maintenant ou après? Maintenant, ok, d'accord. Donc, on va écouter son témoignage. Amen. Il faut qu'on soit trop sensible. Certains d'entre nous qui jeûnent, il faut qu'on jeûne pour avoir la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu es fini. Il n'y a jamais eu de réveil dans l'Église, dans la vie d'un homme sans le Saint-Esprit. Amen. Tu dois chercher le Saint-Esprit, demander à Jésus que le Saint-Esprit te ranime. Quand tu sens déjà la faiblesse spirituelle, tu commences à te plaire dans les choses du monde, tout ça, tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu n'as plus soif de Jésus-Christ, tu es dans la routine, la monotonie, tu es déjà mort spirituellement. Tu tombes dans l'activisme, tu prêches, tu chantes, mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas de jus. Tu es déjà lié. Il faut savoir que tu es rétrogradé. La rétrograde, ce n'est pas seulement quand on va voir que tu allais commettre l'adultère physiquement ou tout. La rétrograde, c'est aussi quand il n'y a plus le feu de l'amour de Dieu dans ton cœur, c'est terminé.
Tu peux faire les œuvres, tu peux prêcher, tu peux prier, tu peux chanter, tu peux crier à haute voix, tu peux tout faire. Il n'y a plus le feu de l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est terminé. C'est fini. Le diable te contrôle dans tout ce que tu fais, même ta prédication, même ta lecture de la Bible. Tu es mort. La Bible dit que le corps sans âme, sans esprit est mort. Amen. Donc, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es fini. Jésus-Christ a dit que c'est l'esprit qui vivifie. Voilà, la chair ne sert à rien. Donc, si tu n'as pas l'esprit, c'est fini. La Bible dit que Jésus-Christ est un esprit vivifiant. Amen. Donc, si Jésus était avec toi, tu auras la vie. Tu aurais la vie. Donc, si tu n'as pas la vie, sache que Jésus-Christ, tu as perdu ta communion avec lui. Commence à jeûner pour animer la communion. Ne gêne pas pour le mariage, les enfants, le travail, les conférences. Ne gêne pas pour ça. Jeûne d'abord pour que le Seigneur ranime l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Ne jeûne même pas pour prêcher. Jeûne d'abord pour que le feu de l'Esprit de Dieu s'allume en toi. Amen. Voilà ce que le Seigneur recherche. Parce que c'est l'amour pour Jésus qui est que le conducteur de toutes choses que le Saint-Esprit fait. Donc, quand l'amour pour Jésus a refroidi, tout ce que tu fais, c'est le mensonge. Jésus n'est plus dedans. Donc, examinons-nous nous-mêmes. Amen. C'est pour ça que vous voyez les pasteurs, les prophètes, les évangélistes qui sont en plein ministère, mais ils sont tous morts. Amen. Parce que l'amour pour Jésus n'y est plus. On avait vu avec vous dans le livre d'Apocalypse comment le Seigneur disait à l'église, là, je ne sais plus ce qu'est l'église, il leur disait que je connais tes œuvres qui sont même plus nombreuses que les précédentes. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Donc, répands-toi. Le premier amour, il ne faisait plus ça par l'Esprit de Dieu. Alors, si tu ne marches plus par l'amour de Jésus, donc tu vas faire les choses pour toi-même et pas l'orgueil. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens qui font des œuvres, mais ils font ça par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ce n'est plus par l'Esprit de Jésus. Donc, Jésus n'est plus dedans. Il faut réveiller l'amour de Dieu en toi, le feu de l'Esprit de Dieu. Il faut veiller. C'est pour ça que les chrétiens jeûnent. Tu t'imposes une discipline sévère. Quand tu remarques que tu n'as plus le feu de Dieu et tu remarques que tu passes 3 heures au téléphone avec les gens, tu parles, mais tu n'as plus le zèle de Jésus, tu remarques qu'il y a quelque chose. Tu arrêtes les conversations téléphoniques, tu commences à chercher le feu de l'Esprit. Amen. C'est ça la parole de Dieu, c'est comme ça, c'est clair. Quand tu remarques que tu commences, oui, tu commences à te donner une discipline sérieuse. Amen. Tu dois prier, jeûner, oublier les conversations. Tu donnais l'argent aux pauvres. Tu partais visiter les malades. Mais tu remarques que l'amour de Dieu est parti. Laisse de visiter les malades. Consacre-toi d'abord pour que le feu de l'amour de Dieu se réveille en toi. Et comme ça, Jésus te sanctifie. Après ça, tu iras maintenant visiter les malades et les pauvres. Amen. Le diable a attrapé beaucoup de chrétiens comme ça, qui tombent dans l'activisme, mais ils ne sont plus dans le feu de l'amour de Dieu. Amen. Et tu vas voir, ils vont faire les choses là, il n'y a pas de vie dans ça. Il n'y a pas. Et puis il y a les murmures qui vont sortir inconsciemment quand tu côtoies les personnes comme ça. Parce que ce n'est pas fait par l'amour, le feu de l'amour de Dieu. Tout le temps va tomber dans les murmures si ce n'est pas motivé par l'amour, l'Esprit de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut que c'est l'Esprit de Dieu qui produise les fruits. Tant que la force motrice de l'amour de Dieu n'est pas dispensée dans ton cœur par le Saint-Esprit, laisse tout ce que tu es en train de faire. Concentre-toi à chercher le Seigneur. Je parle toutes les expériences de ma vie, c'est pour ça que ça touche beaucoup de personnes. Parce que moi-même, je peux venir prêcher comme ça. Jésus n'est pas avec moi. Et je me laisse dire que je vais venir prêcher. On m'attend. Jésus s'en fout quand tu attends pour prêcher. Tu n'es pas avec lui. Tu vas faire l'activisme. Il ne sera pas là. Amen. Tu vas dire des paroles qui ne vont pas toucher le cœur des gens. Tu vas te refroidir. Tu vas commencer à parler d'un Jésus que les gens ne vont pas craindre. Les pécheurs vont venir dire Alléluia. Amen. Ils rentrent chez eux tant que dans leur péché. Ils ne veulent pas se répandre. Voilà, quand tu n'es pas avec Jésus, tu vas s'aimer la mort. Donc, c'est en Jésus et par Jésus et pour Jésus que tout est fait. Amen. Donc, il n'y a pas d'autre truc plus que l'amour de Dieu. Quand tu veux voyager, si tu voulais voyager pour aller en Amérique pour prêcher, et puis tu remarques que tu n'as pas l'amour de Dieu, annule le voyage et reste d'abord, demande à Dieu qui ranime l'amour de Dieu en toi parce que tu es mort. Amen. Jésus ne sera pas là-bas avec toi. Il n'est pas le Dieu des activités. Voilà beaucoup de gens qui ne veulent pas se repentir sont dans les activités. Ils sèment la mort autour d'eux. Amen. Donc, on va passer sur le témoin de la sœur Sylvie. Que Jésus te bénisse, ouvrons les oreilles de nos cœurs et entendons-la. Amen.